One, two, test. Yo, OK, ça devrait marcher. On devrait m'entendre. Salut, mon Seb. Salut, GF. Bonsoir. J'espère que vous... Je le sais, pas de son. Maintenant, on en a. On en a. Moi, je le vois, j'ai des petites barres de son là, que vous ne voyez pas. Et quand je la vois pas monter, je sais que j'ai pas de son. Alors, voilà. Là, on a du son. Et voilà. Et voilà. Et comment allez-vous, tout le monde? J'espère que vous êtes en forme, parce qu'on a un beau petit planning pour ce soir. Un beau planning. Voyons voir. Oui, on a 32 équipes. 32 places pour notre beau mixeur de 5 boîtes spéciales 23-24. Coucou, Norm. Coucou. Alors, on va lancer les hostilités, lancer les randoms. Tout de suite après, je pense qu'on va avoir notre petite vite. Aïe, aïe, aïe. Petite vite. Et ensuite, l'SP authentique. Je pensais que c'était un circuit, mais non, c'était une fold back. Bon. On a Norm qui souhaite la bonne chance à tout le monde. Alors, c'est party. On brasse le deux fois. J'ai fait ça un peu à la va-vite. J'ai pas regardé la liste des participants avant. Ça devrait être une surprise si je dois m'exprimer en anglais. Je vais savoir dans un instant. Je pense qu'on est pas pire. Si jamais vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me faire savoir. Je vais vous transmettre ça dans la langue qu'il se doit. Je pense qu'on est correct. Salut Karim! Comment tu vas? Oh yeah! Et c'est terminé, finalisé, l'assemblage des listes est maintenant fait. Alors, on se retrouve dans un instant de l'autre côté, tout le monde. Et c'est Breaking, une présentation de Stack.ca. Vous aurez deviné, ben oui. Donc, répartition, bonne chance tout le monde. On a Philippe avec les Ducks, Andy avec les Coyotes, Sophie avec Boston, Buffalo pour GFN. On a Jérémy avec Calgary et Caroline pour Francis. On a Pascal avec Chicago. L'autre Pascal, c'est Pascal B. On a Pascal P. Maintenant, avec le Colorado, Columbus pour GFL. On a Gabriel B avec Dallas. Détroit pour Carl. Edmonton pour Eric D. On a Sébastien. Et Coco, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il est là, Coco? Avec les Panthers de la Floride. On a Gabriel B avec les Kings. Ça, c'est Antoine avec le Wire de Montréal pour Joanne. Bonsoir, Joanne. On a Martin. Bon, monsieur Martin. Comment vas-tu? On a les Islanders. Donc, Julien V avec les Rangers. Andy aussi avec les Preds. Une autre fois avec les Preds. Deux fois de suite. André P avec les Devils. Simon pour Ottawa. On a Karim avec les Flyers. Un petit changement, là. Ça change de Washington. Pittsburgh pour Louis-Frédéric. Ainsi que les Sharks. Silvio avec le Kraken, les Blues pour Jeff et Marilyn, ça c'est Dave avec Tampa, Carl pour Toronto, Vancouver pour Ronald, on a Guillaume avec Vegas, Chanel, Washington et Carl avec les Jets de Winnipeg. Et ça, c'était un circuit, sans équivoque. Alors, Coco fait dodo, ah, c'est Yoshida. En train de rouler sur quelque chose qu'il fallait pas, mais c'est corrigé. Voilà. Bang. Alors, on débute avec une OPC. Avez-vous vu, en passant, la petite merveille qui est sortie en magasin aujourd'hui? On dirait qu'il y a... Ah, c'était un bout de papier. Donne-moi une petite seconde. Là, le coupable. Parfait. OK, on est prêt. On y va. Mais avez-vous vu la petite merveille qui a été sortie en magasin? Voilà, c'est un départ. Et on débute avec une André Vasilevski pour le Lightning. C'est drôle parce qu'on aurait dit les Sabres de Buffalo. J'ai pas vu souvent ce chandail-là. Michael Kesselring pour les Coyotes. Rookie Hunter McCown, rétro, pour les Blue Jackets. Une carte à jouer, le 3 de cœur de Carter Hart. Hart. Brock Nelson, All-Star. Et David Perron, rétro, pour les Red Wings.
Toutes les mêmes. Identiques les mêmes. Egor Afanasiev pour les Predators. C'est quand même pas une mauvaise chose d'avoir les Predators en 2023-24. Andrew Mange-moi le pain pour les Flames. Et Sam Steele rétro pour les Ducks. Mais c'était exactement les mêmes équipes. Je fais des petits sondages éclairs, là. Puis, oh! Attendez-moi une petite seconde. On a une variation pour les Red Wings. Moritz Seider. C'est une image variation pour Carl. Et on va te mettre ça dans un beau petit protecteur comme ça. Que j'essaie de vous envoyer de temps en temps. Là. Moritz Seider. Une image variation pour les Red Wings. Nikita Kucherov All-Star. Short print. Et Anthony Beauvillier pour Vancouver. Rétro. Ah. Il n'y a pas de problème. On est là pour ça. On est là pour vous aider des fois quand vous avez des questions ou des petites inquiétudes. Marco Kasper pour les Red Wings. Une David Pasternak Black. Sur 100. Numéroté sur 100. David Pasternak Black rétro. La 11 de 100 pour les Bruins de Boston. Et une rétro singulière pour les Kings de Mikey Anderson. Pour Tampa, ah, c'est pour l'événement. Gasparia. Oh, ça me dit rien ça, Gasparia. Tyson Forster pour Philadelphie. Oh, devant le verre. Une blue pour les Sabres de Buffalo. Je vais me permettre de la mettre là-dedans pour les Sabres. Devant le verre. Parallèle bleu pour les Sabres de Buffalo. Color match! Et le Matt Boldy rétro pour le Wild. N'hésite pas, en tout cas, Andy, si tu as des questions. On est là pour ça. Jackson Lacombe pour les Ducks, Marky Rookie. Yanni Gourde, Blue pour le Kraken. Et Trevor Moore pour les Kings, rétro. C'est très beau, ça. Je sais que Seb ramasse le plus qu'il peut les devant le veille. Alexander Barkov pour les Panthers, carte à jouer, le 7 de cœur. Samuel Bolduc pour les Islanders. Et une Nikita Nesterenko, short print rétro, pour les Ducks. Une OPC Premier Rookie, Zach Benson pour Buffalo. Zach Benson, une rookie, Maki Samoskevich pour les Panthers et Brandon Hagel rétro pour le Lightning. J'irai faire des petites recherches à Steven, merci de l'information. Une Beau Horvat All-Star pour les Islanders, Jake DeBrusk Blue pour Boston et Ryan Strome rétro pour les Ducks. Une 3 de trèfle, Luke Hughes pour les Devils. Emil André pour les Flyers. Et Patrick Kane rétro pour Chicago. Ah, petite carte à l'envers. Faire que ça, c'est rare ça, mais ça arrive. David Pasternak, All-Star pour les Bruins. Ça, c'est une purple, si je ne me trompe pas, pour les Golden Knights de Vegas. Michael Amadio, numéroté sur 75. Non, 49, excusez-moi, pas 75. Trompé de sport. Alors, Michael Amadio pour les Golden Knights de Vegas. La 18 est de 49 pour Vegas à Michael Amadio. Et une rétro de André Kuzmenko pour les Canucks. Rafraîchis-moi la mémoire, Andy, juste pour être sûr. Tu avais trois équipes, je pense, dans le break hier. Est-ce que c'est exactement les mêmes? Ou deux des trois? Oh! Quelque chose d'intéressant ici, là. On va l'attribuer au Blackhawks de Chicago. C'est encore très lucratif, là, ces cartes-là. Elles se vendent encore dans les alentours d'une trentaine, quarantaine de dollars au Peachy One. Et elle est attribuée à Pascal pour les Blackhawks de Chicago, étant donné que ça a été statué la top rookie, meilleure recrue
c'est Connor Bedard. Alors ça va être juste un petit boom. Juste un petit boom. Jack Hughes, All-Star, une de Blue de Ukko-Pekka Luukkonen pour Buffalo et une rétro de Pavel Buchnevich. Tu m'intrigues, puis je vais aller jeter un œil parce que c'est des choses qui m'intriguent beaucoup. Je vais enquêter sur la chose. Joe Pavelski pour les Stars de Dallas. 4 à jouer, le 7 de trèfle. Kevin Fiala, All-Star pour les Kings. Et Brady Tkachuk, rétro pour Ottawa. Merci, Steven. Wyatt Kaiser. Et boom! Pour les Coyotes de l'Arizona. Logan Cooley sur 33. Let's go! Boom! Logan Cooley, 30 de 33, Green Rainbow, Marky Rookie. Ow, ow, ow. Let's go, Andy. Et Noel Akiari pour les Penguins de Pittsburgh. Boom. Voilà, ça pardonne un peu, hein? Et pourquoi pas y aller d'une Connor Bedard? Ah ouais, donc, quelle boîte de feu! Quelle boîte de feu! Connor Bedard! Boom, boom, boom! Wow! Mène de rien, il y a une Carter Hart qu'on va mettre de côté, Blue pour Philadelphie, et Nick Schmaltz rétro pour les Coyotes. On enchaîne, reste deux. Let's go! Jackson Holliday est au bâton. Et Josh Morrissey, OPG Premier pour les Jets, Barkov All-Star pour les Panthers, et Oliver Ekman-Larsson. Pour Vancouver, dernier pack. Et une belle Matthew Nice pour Toronto. On va protéger Boris Tkachuk. Red pour Chicago. Et Artemi Panarin rétro pour les Rangers. Tiens, parce que c'est une Matthew Nice. Tiens, comme ça ici. C'est-tu pas magnifique, hein, ce produit-là? J'aime bien. On va y faire la série 1. Ah ben, un premier point produit pour Jackson Holliday, ça se peut-tu? Ouais, ceux qui suivent un peu. Pépé de Piu. Ceux qui suivent un peu le baseball. Ah, ok, Pépé, c'est ça. Jackson Holliday, son premier point produit. C'est pas un coup sûr. C'est un retrait, mais quand même un point mérité. Pas moins mérité, je veux dire. Un point produit, c'est très très bien ça. Premier match en carrière, jeune de 20 ans. Et tout de suite après, le merveilleux Gunnar Anderson. Bref, on revient à nos choses. Dazzlers Blue, Anders Lee, T-shirt Spell William Carrier et Mitch Marner Honor Roll pour Toronto. Ouais, ben c'est ça. C'est parce que moi, je suis le base à gauche. Mais je suis pas certain si tout le monde suit le base aussi en même temps. Star Surge, Andrei Kuzmenko pour Vancouver, Philippe Gustafsson. Ben pourquoi pas Luke Hughes? Hey, on l'attendait le Blue Break, je pense que c'est celui-ci là. Les Devils du New Jersey pour André, Luke Hughes.
Luke Hughes, Young Gun. On va être déjà obligé de faire du ménage. On va regarder Bédard, on va regarder Cooley. Ça, je vais le mettre en dessous parce que c'est quand même bien. Ça, c'est beau. Puis ça, c'est une variation. On va garder ça comme ça pour le moment. Et Luke Hughes va aller rejoindre les Maurice Sider. Pour toi, je les garde encore en magasin. J'attendais savoir si... si t'avais encore des problèmes. Fait que oui, elles sont encore pour toi en magasin, Carl. Tu peux prendre le temps que tu as besoin. Ou si jamais ton problème est résolu, fais-le moi savoir. Puis on va tout expédier ça. Ça va faire plaisir. 285, Evgeny Malkin, Pittsburgh. Connor McDavid, le roi. Portrait pour Edmonton. Et Quinn Hughes, Canvas pour Vancouver. Excellent, mon Carl. On garde ça au magasin. Rookie Retrospective, Jonathan Berggren, Matty Beniers, Honor Roll, et Matt Duchesne, Outburst Silver. C'est pour les Preds de Nashville. Special Edition de Vegas, Jack Eichel. Debut date de Yaroslav Askarov. Et j'allais dire Connor Bedard! Mais non, il peut pas être dans la même boîte que Luke Hughes. Mais non, c'est pas possible. Non, c'est une Cole Gutman pour les Blackhawks de Chicago. La coulée? Ben, mais hein, c'est cool. Non, sans blague, c'est une très très bonne carte. Je peux pas t'aider en live comme ça sur la valeur. Il faudrait vraiment faire les recherches. Puis mes doigts sont plus importants à vous montrer ce que j'ai ici devant. Mais au pire, si tu peux m'écrire en privé, on regardera ça ensemble. Ça va me faire plaisir, Andy. T'as qu'à cliquer sur mon nom. En fait, je poste Messenger ou si t'as Facebook. Mais trouve Pierre-Hugues Beauchamp, moi-même. J'écris quelque part ici. Puis je vais te donner un petit coup de main en privé par après. Quinn Hughes 285, Moritz Sider Portraits et Brandon Gallagher. Pour Montréal, Canvas. OK, Special Edition de Braden Point pour le Lightning, Rookie Retrospective de Jack Quinn pour les Sabres de Buffalo et une belle Young Gun pour les Rangers de Will Kuhl. Je dis Kuhl, mais je vais vraiment aller checker voir s'il faut dire Kuhl ou Siul. Siul. Quill. Quillé. Dis-les pas deux fois, tu vas les avoir. Match Statbox Filler pour les Panthers, Matthew Tkachuk, Clayton Keller pour l'Arizona, Honor Roll et Alex DeBrincat pour Ottawa. Canvas. Oh, pour Buffalo sur 500. Une Tage Thompson. Ils sentent les cartes Magic, c'est terrible. La petite odeur de cartes là. Pour les Sabres de Buffalo, Tage Thompson, Population Count sur 500. Quand même bien ça. On a une Star Zone de Mark Scheifele. Et pour les Preds, une Luke Evangelista. Young Gun. Bonjour ça, a Luke Evangelista. On enchaîne avec une Special Edition de Sébastien Aho, les Hurricanes, Cole Gutman pour les Blackhawks et William Dufour Young Gun pour les Islanders. Salut Pascal! Oh, merci beaucoup, Norm. Je te souhaite bonne soirée. Bonne soirée de travail peut-être. William Dufour Young Gun pour les Islanders. Ça va très bien, toi? Statbox Filler de Artemi Panarin pour les Rangers, Tage Thompson pour Buffalo, Honor Roll, et Gabe Vilardi pour les Kings, Canvas. J'ai vu une belle carte aujourd'hui en magasin de Brett Hull, mais elle n'est pas disponible, personne souhaite la garder. Star Zone, Mark Stone pour Vegas. Gold sur, pas numéroté, 200 sur 85, Patrick Laine pour Columbus. Et l'autre Young Gun des Islanders, Arnaud Durandeau pour les Islanders. C'est tout. On va faire le Artifacts. Et là, je vous annonce qu'on a la liste
des joueurs sur chacune des Redemption. La petite exception, à moins que ça ait sorti, les Redemption chiffres romains 11 à 15 n'avaient pas de concordance. Donc, si c'est toujours le cas, elles seront random. Et si c'est disponible, ben, ça va s'en aller à l'équipe. On verra. Et on débute avec une carte recrue. Sur 85, tout le monde. C'est parti. Et c'est Matthew Nice pour les Maple Leafs. La numéro 11 de 85. Matthew Nice pour les Maple Leafs de Toronto. Solide. Let's go, Matthew Nice. C'est nice. Et des decoys. Et là, je suis heureux. J'ai des decoys. Oh, on a une rétro 5-6. Je te reviens dans un instant parce qu'il faut que je présente le prochain hit, là, mais on revient à Toronto. Matthew Nice! Wow! Let's go, les Maple Leafs! Ça mérite la toune, là. On l'adore, en plus, la toune. Wow! Une 0506 rétro. Ah ouais donc, Matthew Nice. Oh yeah. Mm-hmm. You make my dream come true. Bon, ok, je m'emballe un peu trop avec cette chanson-là. Okay. On va l'arrêter. Félicitations, Carl. On enchaîne avec une Nathan MacKinnon. How room pour l'Avalanche du Colorado. Pour répondre à ta question, How room pour Colorado. Répondre à ta question, Pascal, c'était dans SP Game News. Je l'ai jamais vu, ce modèle-là. C'est un peu une genre de... Ah, j'ai oublié. Genre de match des étoiles, memorabilia, All-Star memorabilia rétro ou All-Star memorabilia tribute, un truc comme ça, numéroté sur 100. Ben oui, c'est Matthew Nice, c'est très bon ça. On a donc une Redemption et une carte numérotée. On va voir la carte numérotée, donc Alexander Georgiev pour le Colorado. Sur 499, c'est une Ruby, la 380. Et la deuxième de ce paquet, une Rookie Redemption, c'est pour le Wild du Minnesota. Alors, pas de recherche à faire, mais le joueur est sorti. Est-ce que quelqu'un peut aller jeter un petit coup d'œil là, pour le Wild? Je suis intrigué. Je laisse là pour la référence. Mais c'est une très bonne. C'est une rétro acétate ou rétro clear cut rétro. Hommage à la saison 2005-2006 de Matthew Nice. Double jersey pour Vegas. Jack Eichel. Alors, c'est la 094. 94 de 249 pour Vegas. T'as ramassé la première que t'as vue? C'est quoi donc le nom? Oh, Autofax! Oh, Ukko-Pekka Luukkonen pour les Sabres de Buffalo. Ma foi, c'est solid break là, à date. Des très belles cartes. Oui, tous ceux qui sont à zéro déjà ou qui seront à zéro quand j'aurai l'occasion encore d'ouvrir vont être faits sans faute. Cam Neely! Pour les Bruins de Boston, c'est une copper ou gold. Je pense que c'est gold. Il faut dire. Sur 299. 224 de 299. Cam Neely. C'est très beau, ça. Ukko-Pekka. C'est les 94 All-Star Memorabilia. Exactement ça. Numéroté sur 100. Le client a souhaité la conserver. Et la dernière, une Ruby sur 499 de Daniil Gushin. Daniil Gushin. Pour les Sharks de San Jose. Ruby. Pour Louis Frédéric. Ruby, 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 so oh.
Là, je sais plus trop, là, je sais plus trop. Je pense qu'on va faire la SP Game News quand même. En premier. Va être vide. Oh, ça va ici. C'est Demon Hunt. Demon Hunt. Ben, merci beaucoup, Demon Hunt, pour le Wild. Ça, c'est pour Antoine. Bonne nouvelle. Il y a juste deux hulls. Est-ce que t'en as une version autographiée? Non, hein? Ah, ben peut-être, il me semble que tu m'as dit que tu cherchais... tu m'avais demandé si j'avais vu les versions auto. Chose que je n'avais pas vue. OK. Je pense qu'on va avoir une patch. Ou une patch auto. Et une... Une deep cut. Alors, allons-y dans le temps comme dans le temps. Les Panthères floridiennes. Anton Lundell, numéroté sur 219. La 198 de 219. Carte suivante. Une Ty Cardi sur 122 Gold Authentic Rookie pour le Kraken. 34 de 122 pour le Kraken Authentic Rookie Gold. Ah ben, la mascotte Moose. All-Star Game Fabrics. Moose, la mascotte des Jets de Winnipeg. Et c'est carrément un orignal. Oui, oui, pour Carl. La mascotte. Une Deep Cuts. Oh, là, Marilyn va être jalouse. Deep Cuts. André Vasilevski pour le Lightning. C'est pour Dave. Deep Cuts. André Vasilevski sur 250. Marilyn. Oh, ouais. Tu peux la mater un peu, là. Deep Cuts. Et ce qu'on voit, c'est pas un défaut, c'est son bâton. Ok, c'est fait. C'est dans la photo. Reste deux cartes. On va y aller avec celle-ci. All-Star Game pour les Jets de Winnipeg. Connor Hellebuyck. Pas le bon Connor. Peut-être l'autre Connor sera juste là. Alors, Connor Hellebuyck Jersey All-Star pour les Jets. Et dernière carte ici. C'est sur 15. Alors, premium sur 15. Allons-y. C'est parti! C'est une belle patch! Oh, belle patch pour les Stars! Stars de Dallas, Jake Hiltinger, numéroté 9 de 15. Ça mérite un petit coup de tonnerre, ça. Non, il s'est pas fait changer au Blues, malheureusement. Jake Hiltinger, numéroté 9 de 15. Bien pour la cause. On va l'accrocher ici. Ça aurait été le fun pour les Blues, hein. Hey, Rocco! What's up? Non break? On se dit bon break? Et Pete, oui, je peux t'envoyer ça quand je ne serai plus en direct. Sinon, si quelqu'un le fait, on a Pete qui a demandé. Le lien pour les Redemption. Sinon, tu peux regarder aussi, j'ai fait un post samedi. Samedi qui vient de passer. J'ai fait un post que tu peux les retrouver autant sur le groupe que sur la page de Stack. Tu pourras y trouver la liste. Alors, allons-y. Dernière boîte et on commence avec une Nick Perbix Deluxe pour le Lightning de Tampa Bay. Nick Perbix. Deluxe numéroté sur 250, la 79 pour le Lightning. Une PC's des Panthères, Matthew Tkachuk. Oh, et Luke Philp. Des Blackhawks de Chicago. Luke Philp. Attends, c'est le Nikoi. Autocorrect, ouais. T'es pas le premier à qui ça arrive et sûrement pas le dernier. J'ai accroché un piton, je reviens. Ça, c'était bizarre. Oui. J'ai tassé les decoys et j'ai accroché ma souris qui a pesé sur un piton. Voilà, c'est revenu. Jason Robertson Sparkle PCs pour les Stars de Dallas. Anthony Beauvillier pour Vancouver Canvas et Matt Murray pour les Stars de Dallas. Une chance que je me mets pas tout nu.
pour ouvrir les paquets et me rhabiller avant la fin. Vous m'auriez tout vu. Je suis quand même décent, là. Je ferai pas ça. Une Mats Zuccarello, Dazzlers pour le Wild du Minnesota, Dazzlers of Blue. Mikko Rantanen, Ecliptic, et non pas Epileptic, pour l'Avalanche. Et Arturs Silovs pour les Canucks de Vancouver. Une Instinctive pour le Wild du Minnesota, Philippe Gustafsson. Et voyez-vous ce que je vois? Ben oui, on voit ce que je vois. Boom! Connor Bedard! Boom! Kakaboom! Solide break pour les Blackhawks. Beep! Félicitations! Ben, ça mérite quasiment un top loader, tiens, pour Fabian Zetterlund, Outburst Silver. J'avais pas eu le temps de vous nommer parce que, ben oui, on a eu une belle Connor Bedard. Félicitations, Pascal. Et là, j'entends déjà d'ici Pascal me dire « Il était temps! » Hein? « Il était temps! » De bien frapper dans un break. Ville Yusso, Instinctive Sparkle pour les Red Wings. Une Artemi Panarin pour les Rangers Canvas. Et Levi Merilainen pour Ottawa. Honor Roll. Prochain paquet Ecliptic de Elias Pettersson. Pour Vancouver. Une Deep Roots de Austin Matthews. Pour Toronto. Et Jovis Balinskis pour les Panthères Floridiennes. Si j'avais à prendre un petit pari sur une des Young Guns qui reste à sortir, une de celles-là pourrait être... comment ça s'appelle, donc? Sweezy. C'est ça, Sweezy. Billy Sweezy. Des grosses chances qu'on voit Billy Sweezy sortir. Elvis Merzlikins Instinctive pour Columbus. Deep Roots, Mikko Rantanen pour Colorado. Et Ridley Gregg. On a roll pour les Sénateurs. Merrill aussi a des chances. Alors, Sweezy et Merrill sont deux bons potentiels. Et je pense que ce sera Merrill. C'était l'autre que je cherchais son nom, mais c'est le premier qui est venu, c'est Sweezy. David Pasternak PCs pour les Bruins. Et la voici, le voilà, Valtteri Merrill pour le Lightning. Et le dernier hit de ce paquet. Une canvas d'Anthony Duclair pour les Panthères. Monster Seasoned, Connor McDavid pour les Oilers. Nicolas Delaurier, Director of Boards pour les Flyers. Et Nikita Kucherov pour le Lightning. L'ancien interprète de Shohei Ohtani aurait décidé de plaider coupable. Avec surprise, hein? Quelle surprise. Oh, nice! On va avoir un beau random, je pense. Un random intéressant, là. Oh oui, je pense que oui, on va avoir un beau random. Avant tout, on va voir ici Jordan Kyrou. Portrait, ça c'est des bases. Et Sam Carrick, Director of Boards. Alors, un random effectué. Young Gun, Clear Cut, The Connor Bedard et Leo Carlson. Ouh! Là, on a quelque chose d'intéressant, tout le monde. Oh! Alors, Young Gun Checklist, Clear Cut, Bedard et Leo Carlson. Oh! Ça va être un random intéressant à surveiller entre les deux pugilistes. On a Philippe. C'est bien ça, Philippe et
Pascal. P to the P. Lequel, les deux, remportera la bataille? Oh, est-ce que j'aurais raison? Et on voit M. Sweezy. Alors, Elias Peterson, puis Seize. Et non, c'est Dmitry Voronkov. Et pourquoi pas y aller d'une programme of excellence pour le Canadien de Montréal, Owen Beck. Un beau paquet, ça. Owen Beck, programme of excellence Canvas pour Montréal et Dmitry Voronkov. Young Gun pour les Blue Jackets. Dmitry Voronkov. Il nous reste un pack. Sur quelle note finirons ça? Finirons-nous ça? En tout cas, j'ai coupé un mot dans la phrase. Instinctive de Phoenix Copley pour les Kings de L. Deep Roots de Zach Werenski. Et Owen Beck on a roll pour Montréal. Mais écoutez, c'était-tu pas un beau break, ça? C'est pas terminé, en plus. Ce n'est pas terminé. Oh que non. Parce que... Ainsi de suite. Parce que... Comme ça, comme ça, comme ça. On a un random. Oh oui, à tantôt pour le SP Authentique. Et je vais te souhaiter un meilleur sort. Un meilleur tirage au sort, mais surtout un meilleur sort au niveau de la qualité des cartes qui sortiront pour l'équipe que tu auras. Alors, random, assez important ici. Déterminant. Parmi deux équipes, les méchants Indiens de Chicago sont pas méchants, sont très très appréciés et leur rendent hommage, hein, je tiens à vous le dire. Si vous n'étiez pas au courant, les Blackhawks sont une des rares équipes qui ont l'autorisation et l'aval complet de la communauté. Je ne veux pas dire indigène, c'est pas le bon mot. Là. Je suis désolé, je ne veux pas porter préjudice. Là, mais bref, ils ont total support de la communauté. Je veux dire des Premières Nations, mais je ne suis pas sûr que Chicago, c'est le même qui appelle ça. Donc, on est dans le break numéro 1045. Random, Young Gun, Checklist, Clear Cut. Voilà, donc les Black Hawks et les Ducks. Alors, entre les Indiens et les Canards. Je vais mettre ça à l'écran. Potentiellement. Voilà. Donc, messieurs, Philippe, Pascal. On roule les dés. Résultat de 5 ou plus, c'est parti. Tout juste 5. L'équipe au sommet après le 5e. Gagne. C'est un magnifique quartier. C'est parti. Bonne chance. 1, 2, 3, 4. Et le tour final. Les Blackhawks de Pascal. Oh yeah. Félicitations, les Blackhawks. J'enlève ça ici. Les Blackhawks. Toujours pas de tape vert. Oh, Jordan Westberg vient de frapper un solide circuit. Bang! Bang, bang, bang. Très content pour toi, Andy. Alors, les Blackhawks ici. Et où mon crayon? Ici. Et voilà. Donc, récapitulatif tout le monde. La magnifique clear-cut checklist aux Blackhawks de Connor Bedard et Leo Carlson. Voronkov, Merrila, Balinskis, Zetterlund, Silovs, Philip, excusez. Perbix, Deluxe, Connor Hellebuyck, Deep Cuts, Vasilevski, Muse, la mascotte, Ty Cardi, 122 pour Kraken, Anton Lundell, Redemption de Demon Hunt pour le Wild, Gushin sur 499, Ruby, Camille Gold sur 299, Jack Eichel, Jersey sur 249, Vegas, Georgiev, Ruby, McKinnon, Arum, Durando, Dufour, Evangelista, Kuhl, Cole Gottman, Matthew Nyes pour Toronto, Michael Amadio sur 49 pour le Golden Knights. Zach Benson, Premier. Devant Levi, Blue pour Buffalo. David Pasternak, Black sur 100 rétro.
Un puzzle OPC 1 pour Chicago. Moritz Seider, variation pour les Red Wings. Tage Thompson, population count sur 500. Luke Hughes, Young Gun. Jacob Tinger sur 15. Patch pour Dallas. Alwyn Beck, programme avec excellence. Uko Pekka Luukkonen, Autofax. Matthew Nice sur 85 pour Toronto. Matthew Nice, rétro. Clear Cut. 0506 tribute là, de Matthew Nice. Logan Cooley sur 33 pour l'Arizona. Connor Bedard. Hey, Connor Bedard. Andy, n'hésite pas à venir me voir en privé. Je te donnerai ce coup de main pour trouver une valeur à ta carte de Cooley. Alors, c'est tout. On se retrouve dans un instant pour la suite. On a deux autres breaks, dont le SP Authentic et notre petite vite d'une série 1 et série 2 de 23-24. À tout de suite, tout le monde. Au revoir.